Salut à tous. Il est 7h20 du matin. Il y a mon fils qui a son copain qui arrive parce que on les garde en ce moment. Donc, ils vont prendre leur petit déjeuner ensemble. Donc, c'est encore vachement, vachement le matin. Je vais m'occuper de réveiller Yuri, de réveiller la petite, de finir de préparer Nathan. Et puis, je vais me préparer moi aussi, me maquiller et tout. Et puis, on se revoit juste après. Au niveau du boulot, dans l'atelier, voilà, à tout de suite. Ok, donc là, il est 8h, les garçons sont à l'école, Yuri est en train de les emmener. On va commencer doucement la journée, j'en profite parce que la petite est encore en train de dormir, on a de la chance ce matin, elle est en mode grasse mat. Oui, 2 mois, elle est déjà plutôt cool. Ce que je vais faire ce matin, en fait, c'est que je vais commencer à avoir pour imprimer les stickers transparents qui ne seront pas foil. Donc j'aimerais voir pour faire des textes en lumière. Voilà, sans le chien qui aboie, c'est quand même un peu plus pratique. Merci Sacha d'être un chien génialissime. Donc ce matin, je disais, on va faire les stickers transparents, on va essayer de mettre des mots un petit peu en couleur, ça peut être vachement sympa pour les planners. Je vais aussi faire un tour sur les serveurs de jeu qu'on a pour régler 2-3 soucis et voir si tout se passe bien. Et puis bah du coup, je vous dis à tout à l'heure et puis on va passer ça en accéléré. Ok, on a fini les stickers transparents. Je suis super contente, ça avance super bien. je vous montre un peu, excusez-moi, hein, j'étais malade lundi. Je vous montre un peu, franchement, ils sont trop cool. En plus, ça brille un peu. Du coup, j'ai testé les colorés et ça rend super bien. C'est super joli. Vous l'entendez peut-être, y a la crapotine qui est en train de se réveiller. Je vais aller la chercher et lui donner son biberon parce que c'est l'heure et qu'elle doit avoir bien faim. Ça y est, il est quand même 8h45, donc on a de la chance, elle a plutôt bien dormi aujourd'hui. Après ça, on se verra en accéléré parce que je vais faire les cartes. On a, en plus de l'anneau planeur, on a l'anneau design où on fait des cartes et... Oh! Mais dis donc! On fait des cartes et on fait des tableaux. Donc n'hésitez pas si vous voulez voir, je mettrai le lien en description. Et on va un petit peu finir les packaging parce qu'on les vend en IRL aussi. Et après, on passera faire un coucou à Yuri qui doit nous montrer un petit peu, nous montrer un peu comment il travaille. Comme ça, vous verrez tout. Et voilà, c'est parti.
Et coucou, et là du coup, ben, on est dans la cave, en fait, la cave, on l'a refaite. Du coup, c'est un bureau, alors moi en ce moment, je bosse en haut parce que je m'occupe des enfants quand ils sont là, etc., pour garder un œil dessus. Et Yuri, lui, il bosse à la cave. On va vous faire un petit coucou. Voilà, donc il a plein d'écrans. Il a la tablette graphique, là, on vous en parlera si ça vous intéresse. Si vous vous demandez, c'est une tablette graphique qui est vachement sympa. Je vais vous montrer aussi là où moi je travaille quand je suis à la cave et que j'ai pas les enfants à surveiller. J'ai aussi plein d'écrans, c'est sympathique. Voilà. Nous on aime bien les écrans. Et on est face à face. Et ça c'est quand même super super cool. Et du coup on va finir ce vlog dans la cuisine. Vous voyez au loin l'atelier, coucou l'atelier. Et puis aujourd'hui c'est Yuri qui fait à manger, c'est d'ailleurs très très souvent Yuri qui fait à manger, il cuisine beaucoup mieux que moi. Comme vous voyez, j'ai la petite là qui n'est pas de très très bonne humeur aujourd'hui. Donc on va voir ça, on va voir le grand cuisinier là. Et voilà, on est dans la cuisine avec Mademoiselle Jural. Ça y est, c'est la fin de ce vlog devant une... Une quiche lorraine aujourd'hui. Ah les enfants, ça va leur plaire. On espère que ça vous a plu. Et puis nous, on va se régaler. Et puis on se voit du coup pour le prochain vlog de la semaine prochaine avec Mademoiselle Jural. Salut. Au revoir.